Yves, tu es un jeune arbitre, mais tu te défends vachement bien. Moi, j'ai regardé, je te félicite, si je peux me permettre. Et il vient de se passer quelque chose d'extrêmement rare. C'est inhérent au métier d'arbitre, il y a un accident, là, tu as pris un coup. Bah, parce que déjà, c'était deux bons combattants, très très engagés, et ils n'ont pas fait attention au commandement. Alors, peut-être que je ne me suis pas assez imposé dans le commandement, ils ne regardaient pas du tout le chrono, ils étaient dans leur action, et il y en a un qui a prolongé alors qu'il n'aurait pas dû. Oui, enfin, c'est une erreur de jeu quand même, mais enfin, effectivement, on peut comprendre qu'ils sont tellement sous tension que ce genre de choses peut arriver. Ça peut arriver, voilà, et je... Enfin, voilà, j'en tiens pas grief et je trouve que voilà, c'est un beau combat, bien engagé, difficile à arbitrer mais agréable à voir. Alors, puisque nous y sommes et puisque tu débutes dans cette carrière d'arbitre, hein, je sais que tu es joueur, obligatoirement c'est la règle, hein, tu es toi-même combattant, ceinture noire, peut-être X-Dan, je ne sais pas. Mais quelles sont les, à part les difficultés de jugement qui sont très compliquées, on l'a vu, c'est vous êtes sous tension, tout ce que vous en êtes, tu appelles régulièrement les juges autour de toi pour faire le point sur les points donnés ou pas donnés. Mais à part le risque de recevoir un mauvais coup, qu'est-ce que ça représente le métier d'être arbitre? C'est avoir un œil le plus neutre possible sur le combat et voir le combat en tant que spectacle avec deux personnes complètement à pied d'égalité, ce qui n'est pas du tout l'œil qu'on a dans le public. C'est la neutralité de l'arbitre et l'équité vis-à-vis des combattants et par rapport aux règles à respecter. Et chose qu'on ne respecte plus soi-même une fois qu'on met le plastron et les protections parce qu'on en devient combattant, ou chose qu'on ne respecte rarement, l'équité et l'impartialité de l'arbitre quand on est supporter. Donc ça n'a rien à voir et je pense que c'est très important. Moi je suis un jeune pratiquant de taekwondo malgré mon grand âge et ça me fait plaisir de pouvoir m'investir de cette manière-là dans la pratique du sport et puis aussi dans l'encadrement parce que pas d'arbitre, pas de compète. Oui. Alors je peux me permettre une digression, c'est au sujet de l'encadrement. Bon, je suis comme tout bon spectateur, je regarde des matchs de différentes natures. Mais en ce qui concerne les sports dits de combat ou martiaux, l'art martial, il y a une espèce de respect majeur des juges, des arbitres, de l'adversaire qui doit être lié à mon avis à ce sport. Alors, moi, j'ai juste dit un truc, ce qui m'a énormément surpris quand j'ai commencé, bon, j'ai fait d'autres sports de combat, j'ai fait du judo et de la boxe française, et ce qui m'a énormément surpris quand j'ai commencé le taekwondo, c'est le taux de féminisation. Et je crois que c'est un très très bon indicateur. Je pense que c'est un sport où il doit y avoir 30 à 40% de féminisation, donc ça veut dire que c'est un sport forcément où le respect est la première des règles et de l'éthique, et je trouve ça très très important. Même si malheureusement, parfois, revenant à l'arbitrage, il y a quelques coachs qui oublient, qui profitent aussi de leur expérience de coach pour essayer d'impressionner les arbitres, de les terroriser, mais c'est quand même un sport, effectivement, où le respect est permanent et faire un salut à chaque fois qu'on commence quelque chose, faire un salut pour ponctuer nos entraînements, ponctuer nos actions, ça a un sens, et puis c'est aussi se regrouper entre nous, donc c'est... Voilà, moi j'y trouve la voie. Bon ben Yves, en tout cas moi je te félicite si tu m'autorises. Hein. Puis je suis désolé pour le coup, le mauvais coup que tu as pris, mais bon, t'en souviendras. Et puis bonne continuation. Hein, je te reverrai. À plus tard.